particulièrement d'actualité, puisqu'on a un atelier de contrôle de véhicules, dans lequel donc, non seulement on contrôle les pièces d'identité de la personne, le permis de conduire, certificat d'immatriculation, etc. Un jour de préparation militaire. Et là, vous faites systématiquement un débriefing à chaque exercice de manière à corriger les petits défauts. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc dès qu'ils font des erreurs, on leur explique après. Depuis le 18 juillet, 9000 réservistes de la gendarmerie nationale, gendarmes à la retraite et citoyens issus de la société civile tels que vous, sont mobilisés partout sur le territoire national. Dans les tout prochains jours, grâce à vous et à vos camarades, nous allons atteindre l'objectif de 12 500 réservistes de la gendarmerie engagés dans l'ensemble du pays.